Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2. Donc c'est le secret entier réalisé, déjà réalisé. Oui je sais, la map n'est pas encore sortie, mais le secret a déjà été réalisé par un allemand je pense, parce que son jeu est en allemand. Donc je vais pas vous proposer le gameplay sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai déjà eu un strike à propos d'un trailer que j'avais posté sur WW2. Donc je vais pas prendre le risque d'en recevoir un deuxième, même si pour l'instant ils ont pas l'air de striker les autres chaînes. Je vais quand même pas prendre le risque. Donc je vais mettre le gameplay en description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien en description. Je vais vous expliquer comment télécharger, parce que moi j'ai eu un petit problème pour télécharger et regarder la vidéo. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mais tout d'abord je tiens à faire une grosse dédicace à Drop Dead Boy, car c'est lui qui m'a donné le lien pour télécharger ses gameplays. Donc je mettrai sa chaîne YouTube en description, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas encore. Et là je vais vous présenter un nouveau YouTuber que j'ai rencontré hier grâce à Drop Dead Boy, qui s'appelle LMGL, donc Level Max Gaming Live. Alors c'est une personne, je mettrai son lien en description de cette chaîne YouTube aussi, c'est une personne qui a déjà réalisé le tuto de la map The Reach Final, donc le tuto de la première map de Call of Duty WW2. Donc c'est le tuto complet du secret. Après c'est possible qu'il y ait une suite à ce secret, je sais pas, mais on en reparlera après. Donc voilà, c'est le premier français à avoir fait le tuto, donc franchement je vous invite vraiment à aller voir. Si vous voulez être spoil, ben, vous allez voir le tuto, comme ça vous savez ce que vous avez à faire dès que la map elle sort. Donc c'est le gameplay total, donc de 1h30, où vous voyez tout le secret. L'allemand il présente bien, il parle pas, mais il présente en pointant son viseur, en tirant sur les objets, qu'est-ce que vous devez faire, par où vous devez ouvrir. Enfin voilà, il essaye vraiment de bien montrer les choses. Donc si vous avez 1h30 devant vous et que vous voulez tout savoir sur la map, ben, je vous invite vraiment à aller regarder. Si vous voulez pas être spoil, ne cliquez surtout pas sur le lien. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de LMGL et abonnez-vous. C'est un petit youtubeur de 410 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonnez à lui et que vous mettez un petit hashtag SoisCoolMec dans les commentaires de sa vidéo. Ça serait super cool. Ça me ferait super plaisir et ça lui ferait super plaisir aussi. Donc merci à tous ceux qui le feront. Même si ceux qui veulent pas être spoil, vous allez sur sa vidéo, vous abonnez et puis vous regardez pas, hein, tout simplement. Alors voilà. Alors moi j'aimerais bien, avant de vous montrer comment télécharger le gameplay, parce qu'il y a deux gameplays, c'est un gameplay d'une heure puis la suite d'une demi-heure. Donc avant de vous montrer comment les télécharger, j'aimerais bien parler un peu de la map. Parce que franchement, j'ai pas mal de... Moi j'ai regardé tout le gameplay et franchement, j'ai pas mal kiffé la map. Après c'est sûr qu'il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont être contents. Voilà, il y aura plusieurs... Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Donc je vais pas les citer, mais voilà, vous allez voir un truc qui est bien. C'est que le jeu fait vraiment peur. Ça c'est sûr, il fait vraiment peur parce que il y a des zombies. Vous allez voir, il y a un peu des screenshots comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, des screeners ou quoi. Mais c'est des screeners pas qu'une image quoi. C'est des screeners où voilà le zombie il interagit et tout. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Il y a un moment où aussi la map elle est toute sombre. Donc pendant l'étape du secret, à un moment il fait vraiment sombre. C'est vraiment à la Dead Space ou je sais pas quoi, c'est vraiment très sombre et ça fait vraiment flipper. C'est vraiment un jeu, je trouve que le plus qui ressemble à un vrai zombie quoi. C'est vraiment un jeu qui fait vraiment peur, qui ressemble vraiment dans l'ambiance du zombie totalement. Franchement je trouve ça vraiment stylé, j'ai vraiment kiffé. Après le truc que j'ai moins kiffé, c'est qu'il y a des trucs assez faciles à faire, dont le boss n'a pas l'air non plus très difficile. Après j'ai vu des choses aussi comme des astuces en fait. C'est comme si le jeu était programmé pour vous aider carrément à trouver le secret. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça que j'ai pas trop bien kiffé, parce que moi j'aime bien la difficulté. Mais bon après c'est sûr qu'ils ont voulu peut-être rendre leur jeu tout public, qu'ils ont rendu le secret un peu plus facile à trouver. Mais franchement je suis un peu déçu pour ça. Mais voilà, après il y a d'autres choses qui sont décevantes, mais je vais pas tout citer. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment bien, genre les zombies différents. Franchement moi je kiffe bien. Franchement personnellement je kiffe super bien ce zombie. Quelques trucs trop faciles qui m'ont dérangé, mais bon sinon en globalité je pense que je vais quand même kiffer le jeu. Après un gros point négatif qui me dérange, c'est sûr qui va déranger pas mal d'entre nous
surtout en tant que youtubeur, c'est que la map a déjà été toute découverte, que maintenant je suis spoil sur tout. Mais moi en tant que youtubeur, je pouvais pas ne pas regarder ça, parce que voilà, je veux quand même être à l'actu, je veux pas être en retard sur les autres. Donc voilà, j'ai quand même, je me suis spoil. Ça c'est un gros inconvénient. En fait, Call of Duty WW2 sont fait niquer mais royalement. Les grandes marques comme, comme Carrefour et tout ça, dans certains pays, l'ont vendu à l'avance. D'autres aussi ont réussi à l'avoir à l'avance, je sais pas comment. Mais voilà, ça a gâché ma découverte. Parce que moi j'aime bien quand le jeu il sort, c'est faire un live découverte. Mais en fait là, il n'y a pas de live découverte. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse un live découverte? Ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire le secret. J'ai plus besoin de découvrir. J'ai déjà tout découvert en 1h30. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. La hype a un peu redescendu à cause de ça. Mais j'espère que WW2 apprendra de ses erreurs. Parce que là, ils ont fait une grosse erreur. Et j'espère que sur les prochains DLC, il n'y aura vraiment pas de fuite. Des fuites comme il y a eu auparavant, genre sur les atouts, sur les armes, sur tout ça. Ça, à la limite, on s'en bat les couilles. Mais sur la map, il peut pas y avoir de fuites. Déjà, il n'y a pas de trailer et il y a des fuites de ouf. Il y a des tutos déjà qui sortent de partout. Il y a des gameplays qui sortent de partout. Voilà, tu vois, moi, ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, pour voir le positif, c'est qu'on va pas galérer à trouver le secret, quoi. MDR, il est déjà découvert. Donc, dès que le jeu il sort, ben direct, on va essayer de le saigner. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres secrets. Et j'espère aussi qu'il y aura un deuxième secret. Donc, grosse dédicace à Mabzuel qui pense que ce n'est qu'une partie du secret, ce qu'il a découvert, la personne. Mais il y a quand même deux cinématiques dans, dans ce secret. Après, la dernière cinématique ne met pas réellement fin au secret. Donc, c'est possible qu'il y ait une suite à ce secret. Je vous en dis pas plus parce que voilà. Mais vous allez voir qu'à la fin de la cinématique, il va se passer un petit truc et que c'est possible qu'il manque quelque chose à ce qui vient de se passer. Donc voilà, j'espère réellement que Mabzuel il a raison. Je mettrai bien sûr sa chaîne en description. À chaque fois que je parle de quelqu'un, je mettrai sa chaîne en description. De toute façon, je pense que je vais parler de plus personne. Allez, si mon petit Johnny34, allez, dédicace à toi, poto. Je pense que j'ai tout dit sur le jeu, à part une chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment tous les zombies et qu'ils ont essayé de faire vraiment un zombie qui ressemble un petit peu à tout, qui touche un peu à tout, et voilà, pour faire un bon zombie. Et j'espère vraiment qu'il va me plaire et j'espère vraiment qu'il va plaire un maximum à la communauté zombie, car s'il ne plaît pas à la communauté zombie, bah, ça risque de faire un petit flop, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler comment télécharger le zombie, enfin le gameplay que je vous parle de 1h30. Donc là, on se retrouve sur mon PC. Et là, vous pouvez voir que j'ai deux gameplays. Donc le lien sera en description. C'est Drive, c'est sur Google Drive. Il va falloir les télécharger. Mais regardez ce qui se passe. En fait, moi, j'ai cliqué droite. Et j'ai fait clic droite, j'ai mis télécharger. Et puis là, ils m'ont mis un message. J'ai mis OK, télécharger quand même. Parce qu'ils disent que le fichier est trop gros, donc l'antivirus ne pourra pas vérifier, je sais pas quoi, donc j'ai accepté, blablabla. Et ça m'a téléchargé le premier gameplay. Ensuite, j'ai voulu télécharger le deuxième gameplay, et regardez ce qu'ils m'ont mis en bas à gauche, analyse antivirus, le quota de téléchargement du fichier ayant été dépassé, vous ne pouvez plus le télécharger. Donc soit c'est la personne qui a arrêté de le mettre en ligne, en téléchargement, mais ce que je pense pas, parce que quand je l'ai donné à Johnny34, il a su le télécharger, donc je sais pas du tout pourquoi chez moi ça voulait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une petite solution, j'ai chipoté jusqu'à temps que je trouve une solution, comme ça ne marchait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait clic droit, j'ai fait créer une copie. Là, ça m'a créé une copie, donc zombie partie 1 a été créé dans mon drive. Donc j'ai mis localiser le truc, et puis ici, voilà, donc ici j'ai la copie de WW2 zombie partie 2, et ici j'ai la partie 1, et de là je peux télécharger le truc. Regardez, analyse antivirus, donc là impossible d'effectuer l'analyse antivirus de ce fichier, télécharger quand même, bim, ça télécharge. Et voilà, donc ça c'est la solution pour télécharger. Si jamais ça n'arrive pas, n'hésitez pas à mettre un message en commentaire, j'essaierai de vous aider ou de trouver une autre solution. Mais en tous les cas, chez moi ça marche super bien comme ça, donc essayez comme ça, et si ça marche pas, ben j'essaierai de trouver une solution, ou peut-être essayer de reploier ces gameplays sur un autre site internet, ou voilà quoi, peut-être sur YouPorn, on ne sait jamais, MDR, mais on verra bien. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager,
un maximum et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites attention parce que je vous le répète que vous allez être spoil à 100%. Vous allez vraiment tout voir de la map. Ils visitent toute la map, ils montent toutes les armes, ils montent tous les atouts. Ils montent, bah, tous les atouts, je sais pas parce que j'ai pas vu Masto. Mais je crois que s'il n'a pas montré Masto, c'est qu'il n'y a peut-être pas Masto. En tous les cas, je ne sais pas. On verra bien quand le jeu sortira. Mais voilà, faites attention pour ceux qui ne veulent pas être spoil. Pour garder ben, le suspense. Parce que là, il n'y aura plus de suspense. Après, vous allez être spoil directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir les chaînes YouTube que des youtubeurs que j'ai mis en description. Ça leur ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit hashtag soitcoolmec dans les descriptions de leurs vidéos pour dire que vous venez de ma part tout simplement. Comme ça ils savent que je leur ai apporté un petit peu de public. Ça fait toujours plaisir. Hein. Donc voilà. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous de votre présence. Ça me fait super plaisir. C'est grâce à vous que je suis ici. J'en suis là et que je vais continuer comme ça. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.